aujourd'hui, je suis à un événement des alumni qu'on a réussi à rassembler dans ce bar magnifique du centre de Londres. Alors, le but de la soirée, évidemment, c'est toujours créer de la cohésion, présenter, gérer l'école et ses développements, ses futurs développements, parce que les alumni, évidemment, sont connectés à l'école, mais ne savent pas forcément la dernière actualité. Donc, il était important pour moi d'aller à leur rencontre pour présenter le développement de l'école, sa stratégie, et puis de voir comment on peut encore tisser les liens encore plus forts entre les alumni, la communauté des alumni et nos étudiants à l'ECE. Je m'appelle Bastien de la Salle de Verre. Je suis le président de l'association des anciens de l'ECE. Je suis diplômé de l'ECE de la promotion 2015. Et j'ai commencé en trading chez Nomura et aujourd'hui je suis portfolio manager chez Deutsche Asset Management. Je vis à Londres depuis 13 ans et j'ai fondé une entreprise qui s'appelle CTO & Co. Qui fournit des services de Chief Technology Officer. Eh bien, je suis exceptionnellement ici à Londres pour assister à cette réunion d'anciens de l'ECE de Londres dans le cadre du rapprochement de l'école avec le groupe INSEC. Le but, c'est de tisser des liens dès les années d'études entre les étudiants qui vont être diplômés et les anciens qui sont déjà dans le monde professionnel et qui sont à même de leur donner les meilleures indications sur comment ça se passe après. Alors, l'intérêt de travailler à Londres, c'est que Londres n'a pas de limites. Il vous offre des opportunités que vous ne pourriez pas avoir à Paris parce que justement, le code du travail est à la fois différent, mais aussi les manières sont différentes. Et donc, on vous donne beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus rapidement. On a pas mal de clients internationaux et français, donc on est à la recherche de profils ingénieurs pointu et bilingue, c'est aussi un plus français-anglais. Après, sur la partie réseau, le réseau est essentiel. C'est pas ça qui va vous donner du travail, mais c'est ce qui va vous permettre d'évoluer dans le monde du travail. Nous avons vraiment pu accueillir un groupe d'alumni super. Plusieurs nous ont déjà proposé de venir donner des conférences, mais vraiment un groupe impressionnant avec lequel on espère de travailler beaucoup dans le futur.